Bonjour, c'est Kadi et bienvenue sur Kadi Gaming pour ce premier épisode de cette nouvelle série Satisfactory saison 2 en compagnie de Rick, Yout, Farah, Huawei et... Non, parce que je vois déjà Farah qui est poursuivi par trois abeilles. J'avais dit super attention, faites attention aux fameux arbres avec les grappes là, jaunes là. Et qui c'est qui a fait la connerie? C'est Farah. Voilà. Bref, je sais pas si j'ai dit tout le monde. Alors donc Farah, Yout, Rick et Huawei. Coucou. Donc on se reprend sur une nouvelle map. Kaya n'est pas avec nous, hein, pour ceux qui ont suivi, on a fait une jeune saison sur Satisfactory pardon, avec Kaya. On était que tous les deux, et en l'occurrence, on était sur la map qui était un peu terrestre, donc un peu verte, enfin bref, qui ressemble à la Terre, voilà. Là, on est sur une map qui est plus désertique, donc qui est le niveau 2, parce qu'il y a 4 maps maintenant sur le jeu. Parce que c'est un petit peu évolué forcément en 2 ans et demi, parce que ça fait 2 ans et demi qu'on a fait le premier let's play. Et en l'occurrence, eh bien, on a testé la deuxième map qui était désertique. Il y en avait une troisième qui était intéressante aussi, mais elle était vachement en pente, il y avait un problème de beaucoup d'arbres, etc. Du coup, on a choisi voilà, de faire le désert, ça nous semblait pas mal. Donc du coup, ça, tout va se passer ici, bien évidemment. J'espère que ça vous plaira, parce que moi je trouve que le décor est plutôt pas mal, même s'il fait un petit peu aride, hein, il faut avouer. Mais je pense qu'il y a moyen quand même de bien s'amuser. Objectif de ce premier épisode, comme je le disais juste avant qu'on démarre cette vidéo, eh bien, c'est se retrouver déjà à 5, c'est déjà pas mal, comme ça on pourra se défendre mutuellement, et en plus de ça on pourra trouver un endroit où poser nos affaires pour commencer peut-être à s'installer ou faire des coffres, je sais pas, enfin je sais pas comment ça va se passer. Mais le but c'est quand même de s'installer et de commencer à construire des machines. Ok, c'est bon pour tout le monde? Ouais. Ouais. Je précise que le jeu est autour de 30€ sur Steam et sur Epic Games. D'ailleurs, c'est cross-platform, hein, parce qu'en l'occurrence, moi et TVH, qui n'est pas là actuellement, parce que TVH va peut-être nous rejoindre, et aussi Epic Games. Les autres sont sur Steam et on peut bien se rejoindre en fait ensemble. Donc, comme quoi, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut avoir des fournisseurs différents et ça fonctionne très très bien. Donc, ça, c'est le bon plan, et surtout à 30€, même s'il y a des réducts des fois qui vous l'amènent plutôt à 10, hein, le jeu. Voilà. Souvent réduc. Évidemment, nous on a pris des réducts, c'est pour ça qu'on s'est tous retrouvés dessus, c'est parce qu'il y a une réduc récemment, en fait, une grosse réduc sur un paquet de jeux. Et bah, du coup, on a pris le paquet de jeux, donc du coup, on a eu une clé Satisfactory avec, puisque moi je l'avais déjà, donc du coup, j'ai réussi à la donner à Farah, par exemple. Voilà, pour ceux qui se posent la question. Maintenant que vous savez tout, on va pouvoir démarrer, et donc tenter de trouver bah, peut-être des feuilles, mais c'est pas trop un problème, et trouver ce fameux endroit en fait, où on se pose pour construire notre première base. Déjà, je vois qu'ici où on est, ça a l'air pas mal en fait. Ah bon? Ça y est, on a trouvé. Allez, c'est bon. Allez, bye bye. Non, j'ai gagné. Pas encore. Ouais, enfin, moi, vous le gisement. Ouais, j'ai trouvé une épave. Le gisement normal. De métal le plus proche, oui. 240 mètres. Alors, c'est un peu loin, ça, non? 140 mètres 240 mètres. Ah, alors, ouais, faut que tu nous apprennes le jeu, Farah, parce que nous, on ne sait pas jouer. Hein. On n'a pas joué moi des heures avant le let's play. Moi, j'ai oublié, Farah. Moi je peux vous apprendre aussi, mais je me fais attaquer, désolé. Moi, je vous apprends aussi. Oh, j'ai trouvé une capsule de largage écrasée. Alors, regarde comment elle est en train de nous ramener les gros chiens. Si tu restes appuyé sur V, oui, tu vas pouvoir choisir la recherche de scan de la matière que tu veux. Ah oui, maintenant, je me rappelle, effectivement. Minerai de fer, minerai de cuivre ou calcaire. D'accord. C'est en faisant quoi, tu dis? Ok. En laissant un pied sur V. C'est vrai, j'avais oublié ça. Merci de Farah de me le rappeler. Hein. Effectivement, oh, je me rappelle. On est trop bien ici, c'est tout plat. Ah ouais, non, c'est vrai que c'est pitoyable. Le plus proche, c'est 256 mètres, c'est pas terrible. Alors, regarde, ah faudrait oui, qu'on aille en face. Apparemment, faut se mettre à côté en fait. d'un gisement de fer. Oui, effectivement. Et en plus, là, on a un paquet de gisements. Mais ils sont tous en fait en face de nous, enfin. Ouais, bah, le cuivre aussi, 220. Bah, oui, oui, c'est ce que je disais. Dans la même direction. Voilà, ce que je disais tous en fait, c'est cuivre et fer. Donc, j'imagine que par là-bas, c'est. Ah, bah, je vous vois. Ah déjà c'est un bon plan. Là par contre c'est vrai qu'on est en plein désert. Alors on pourrait se poser en plein désert, hein, c'est pas forcément... Attends, on aurait déjà réussi la première étape de la vidéo. Exactement. Tous se retrouver. C'est quoi oui, ce plan on bleu peut, on peut commencer à farmer aussi un petit peu. Ah faut pas t'approcher. C'est ah bon, pas le petit ah, oui, de oui, poser oui, nos affaires. Ok. Sinon il voilà. Y a plein de petites abeilles qui vont sortir et qui vont venir te butiner la... Bah non. Là, c'est ça, cette petite grappe là, ça c'est pas le bon plan. Par contre, équipez tout de suite votre repousse machin là. Ouais, exactement. Ici. C'est bizarre que d'ailleurs. Tiens, là, juste pour info, qu'est-ce que vous avez sur vous? Qu'est-ce que vous avez sur vous, messieurs? On a du métal ici. Qu'est-ce que vous avez sur vous, messieurs? Des feuilles, beaucoup de feuilles. Du bois, des feuilles, des pétales de fleurs et des noix de béryl. Et des noix de. Oh, c'est en. Vous avez pas 4 forges portables? Vous pouvez cliquer sur trier en bas, pour trier par. Alors je pense que c'est moi, c'est parce que c'est moi qui ai créé ce serveur, parce que j'ai 4 foreuses portables, 129 plaques de fer, 58 béton, 60 tiges de fer, 48 fils électriques, oh, 8 commencé, quoi. Plaques de fer renforcées, et 52 câbles. Ah, plus oui. Des pièces de hub aussi. Parce qu'il faut qu'on soit le hub aussi, faut pas oublier. Ouais, c'est le truc de départ. Ouais. Bah justement, le pack de départ qu'on disait comme on est dans le désert. Attends, ah bah j'imagine qu'il y en a qu'un qui l'a et c'est moi qui l'ai. Attendons Rick, il arrive. Ouais, non mais attends. J'étais là.
on regarde un peu où c'est vous qui êtes parti, j'étais là, j'étais en train de faire du fer. Est-ce que vous voulez qu'on se pose juste ici, là, là où je suis, là? Ouais, c'est une bonne idée, vas-y. Il y a de l'eau pas loin, il y a des mines pas loin aussi, on voit bien les mines. Ah, il y a une jolie arche. Attends, je vérifie le coup des mines déjà. Alors, normalement, le calcaire, il y en a où le calcaire? Ici, il y a deux, ah, ici, il y a deux, alors, ici, il y a deux mètres, là. 127 mètres, le calcaire. C'est, moins, ça, c'est moins loin, déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais, le après, calcaire, le plus important, c'est le fer. Le cuivre, attends, le cuivre. Il est où, le fer? Ici. Juste devant moi, là. Ah, le cuivre à perpète. Là où il y a Farad. Le cuivre, il y en a là, il y en a ici. Le cuivre, vachement loin, par contre, ça fait chier. Et le fer... Le fer est juste à côté, hein. Ça mitraille le fer. Alors, si on voulait bien faire, en fait... Il faudrait en fait qu'on aille peut-être entre le fer et le cuivre. Histoire d'être à 150 mètres dans les deux cas. Mais ça nous met dans plein désert. Cascade. Ça nous met dans plein désert. Ouais, mais au départ, c'est mieux d'être vraiment à côté du fer, comme ça on n'a pas besoin de mettre... Oui, mais sauf qu'après on va être emmerdé parce que c'est bien d'être à côté du fer, mais sauf que... Mais non, mais le cuivre, on peut le ramener, c'est pas grave, c'est pas très très loin. Ici, il y a deux fers. Non, c'est pas très loin, ça va. Il y a trois fers ici. Putain, le cuivre, il est à 180 mètres, quoi. 400 mètres, pardon, 400 mètres, excusez-moi. Donc en fait, voilà, si on voulait bien faire... Oh, il y a du cuivre à 200 mètres. Putain, c'est quoi ces abeilles, là? Qui c'est qui a les abeilles à la con, là? Ouais, oui. Moi j'ai du cuivre mais on peut à 140 mètres. Avec le repousse, hein. Le problème c'est qu'on prend des dégâts aussi. Par rapport au fer je suis au niveau du fer et j'ai du cuivre à 55 mètres. Si je mets juste ici, là, regardez, on voit le cuivre là-bas et on voit le fer qui est là. Vous voyez où je suis ou pas, là, Tiafara? Ouais, là, ouais, on est pile entre les deux. Installe-toi. Ouais, bah installe-toi là. C'est quoi ce bruit? Ah oui, mais il y a encore du fer ici, d'accord. Ouais, on peut miner. Ok, on parle derrière. Bon, par contre, il y a des bestioles là qui vont spawn là encore. Ah c'est con parce que là-bas c'était sympa avec là, il y avait une petite arche, il y avait une belle cascade. Oui mais attends, là il y a une cascade aussi ici, où je suis là. C'est là qu'il faut venir. Cherchez pas, c'est là qu'il faut venir. C'est à côté de la mine de cuivre, parce qu'en fait la mine de fer est juste à côté. Voilà. Ouais. Celle-là des mines de fer, il y en a 3 ou 4 l'une à côté de l'autre. Tu vois, il y en a beaucoup, hein. À droite, non mais regarde, est-ce que tu vois le cuivre qui est juste là, à droite là? Il y en a deux. On est et là-bas il y a deux fers. Non, il y en a 3 fers là-bas. Ouais, bah vas-y. Et bah on est entre le fer et le cuivre, alors vas-y, pose ici. Voilà. Mets ton hub. Pose quoi? Parce que je. Le hub. Ah oui, d'accord. Alors tu sais, il y a une grande étendue de désert, non? C'est pile poil où j'étais qu'il voulait se mettre. Bah tu voulais le mettre tout, toi? Après, on est pas. C'est pas ça, c'est que t'as vu l'immensité tout autour. Non, tu te mets là. Là où j'étais. Oui, là où il y a un peu moins de place, mais c'est pour le début, c'est juste pour récupérer les mines. Voilà. Par contre, comment je pose cette connerie de. Parce qu'attendez, là. Tu le poses au sol. Et après, tu serais pas du genre à te garer quand un parking est vide à côté de la seule voiture qu'il y a sur le parking? Ah si, ça, c'est ce genre de type, Gadu. Oh putain. Ouais, j'ai une caisse à côté de toi. Tu sais, t'arrives, il y a personne sur le parking. Tu gardes ta voiture, tu reviens, il y a deux voitures. La tienne et un mec qui s'est foutu à côté. Et en plus, il s'est foutu à côté, mais tellement près que tu peux quasiment pas rentrer chez toi. C'est pas ça. Non, il y a pire. Pas dans ta voiture. C'est que, en plus, il a donné des coups de portière à ta bagnole. Gadu, t'as une caisse ou t'en as plus? Je viens de te la donner, t'étais en train de poser là. Tiens, reprends là. Oui, mais je sais pas comment la poser en fait. Là, Gadu, tu te mets à côté du cuivre, mais sur, il est où, le fer? Tu appuies sur A. Tu restes appuyé sur bizarre, A. J'ai pas eu de appuies sur A. Ah oui, d'accord, ok. Là, t'as le hub. D'accord. Tu sélectionnes, il va être bleu. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on voit aussi tout le vol posé. Ah non, c'est le cuivre, ça. Alors, je pose où? C'est quoi? Non, c'est le fer. Bon, moi, j'ai récolté déjà un peu de fer, un peu de cuivre, un peu de. Je pose sur la bosse. Ah non, pas sur la boss, ça dégueulasse. Il y a des putains de boss en fait, j'ai pas fait gaffe. Ouais, mais. Ah, mets-le là, ouais. En sachant que là où il y a l'échelle, là. Tu vois l'échelle? Oui. Là, il va y avoir les trucs qui vont permettre de faire l'électricité. De l'autre côté, ça va être la capsule qui va aller chercher ce qu'il faut. Je pose ça comme ça? Ouais, vas-y, c'est bien comme ça. C'est propre là comme ça? Attends, il faudrait. Ouais, non, mais n'importe, vas-y. Non, pas parce que si elle vole, ça va peut-être pas être terrible. Comme ça vous va là, c'est bien? Ouais. Ouais, c'est bien. Voilà. Ah, tu vois, c'est parfait. Parce que tu vois, je veux pas que ça fasse bizarre par rapport au sol, c'est pour ça que je voulais être sûr que... Là, c'est pas mal. On va te laisser, là, il y a configuré machin bidule, là, tu fais. Il y a configuré quoi? Regardez ce qui arrive, en haut. Farah, il connaît le jeu par cœur, en fait, j'ai l'impression. Ah oui, je t'ai dit, il a farmé comme un fou, là, pendant... juste avant. T'as du mal à se poser, ton drone. Quand tu vas choisir des jalons, en fait, c'est ce qui va aller chercher le matos, en fait. D'accord. Et t'auras un laps de temps à attendre, c'est-à-dire le moment entre le moment où elle décolle et le moment où elle revient, qu'elle atterrit là,
ce sera le laps de temps où tu devras attendre et tu ne pourras pas créer de nouveaux jalons. Ah d'accord, il y a plus... Moi je devais le construire complètement, couchette. Le web avec allez. Le tuto. Oli. Deux paliers déjà. Parce qu'il y a, objet... y a le MAM. Ça c'est si on a faim. Alors là ce qu'il faudrait faire, c'est l'atelier d'équipement. Donc il se trouve dans A aussi, un peu plus bas. C'est là où on va pouvoir faire les foreuses portatives pour l'instant. Et puis les tronçonneuses, tout ça. Attends, c'est déjà niveau 4, enfin déjà partie 4. Ouais. Ok, on le pose où ça? Retourne-le, déjà regarde, il y a une ouverture d'un côté, une ferme. Ah, tu voudrais que je mette près du bâtiment peut-être? Ouais, il suffit de scroller pour que ça tourne là. Ouais, ça je me rappelle, ça effectivement. Par contre, essaye de le mettre d'un côté que ce soit propre. Quoi. Alors, peut-être pas collé, hein. Comme ça, un truc ouais, comme ça ouais, là par exemple, c'est bien. Comme ça, c'est bien là? Est-ce que c'est aligné où vous êtes? Parce que du coup, je vois pas. C'est aligné, ouais, mais par contre, je sais pas si ça va arriver à la même hauteur qu'ici, quoi. Non, mais c'est juste histoire qu'on puisse passer de l'un à l'autre, tu vois, comme ça. Ouais, bah après, là c'est bon, apparemment. C'est propre là? Vas-y, essaye, de toute façon, tu peux le démonter et le refaire, c'est le cas des cas. Mais tu peux le démonter, c'est pas grave. Ouais, c'est pas dégueu. Ouais, comme ça on passe de l'un à l'autre, tu vois, sans... Ouais, je sais pas, je trouve ça pas mal, moi. Oui, c'est bien. Donc pour l'instant, on va être obligé de travailler à la manuelle, à la foreuse manuelle. À la manuelle. Que tu dois avoir... Non, parce que moi j'ai 4 foreuses mobiles. Oui, bah mobile. Oh oui. Putain. Yout. Ouais. Tu pourrais me rejoindre à l'intérieur... L'établi est occupé. Ah, on peut pas... S'il te plaît. Juste pour info, Farah, à l'intérieur. Farah, tu... En fait, il y a juste un problème, c'est que j'ai de quoi crafter si je veux. Plus de PQ, toi. 4 foreuses, tout court. Comment t'as deviné? C'est occupé. Ah, regarde, non, mais regarde l'affiche. Donc, tu chez vous, c'est 4 ou pas surtout. Ouais, vas-y. J'ai de quoi faire, voilà. Hein. Alors, par contre, il faudrait pas que je les dirige vers nous. Tu te rappelles rien, Fortuna? Bah oui. Attends, et le logo de la compagnie à gauche. On est comment, là, Farah, là? Est-ce que c'est vers nous? Oh là là. Bah, regarde, c'est pas difficile quand tu poses. T'as vu les connexions? Mais carrément. Comme ça, là je dirige à notre base quand ou pas tu, quand tu poses, bah, tu regardes, tu peux te déplacer. Putain, quand tu poses, une... ouais. Là j'étais en train. J'avais une toilette, qu'il y a quelqu'un qui vienne et puis. T'as une flèche qui indique la ah, direction. Ah oui, ça te dira rien toi. De sortie, et après quand t'en as une, non, t'as une direction d'entrée aussi. Bah là c'est bien. C'est un jeu dont on a fait un let's play, y a pas, enfin un test découverte, y a pas très longtemps. Gadu, il pourra se. Alors Gadu peut-être en regardant. Attends, mais c'est pas sûr. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'alimenter parce que là, elle ne fonctionne pas pour l'instant. Oui, mais je peux en poser 4 comme ça. Peut-être que, peut-être qu'on pourrait poser un cuivre et un fer pour commencer, et après on va les alimenter. Vaut mieux. Voilà. Le calcaire, on verra après parce que le calcaire. Bon, j'ai posé un cuivre. Alors, le cuivre. Pareil, on vise la base. C'est vrai que là, on est vachement aidé comme avec son kit de départ, là, c'est énorme. Ouais, parce que là, je suis en train de tout faire à la main, c'est chiant. Va falloir faire des établis en plus, parce que là, on va pas l'avoir assez pour tout le monde. Tout ça est sur le même, ça va être galère. C'est construit. Maintenant, tu voudrais qu'on fasse des pylônes, c'est ça? Des pylônes électriques. Ouais. Non, pas besoin de pylônes électriques. Hein. Comment non, ça, non, pas non. Besoin? Mais non, parce qu'en fait, quand tu vas relier l'électricité, quand t'auras pas assez de... Ah oui, ça les construit tout seul, t'as raison. Ça sert tout seul. Alors, c'est vrai que alors j'ai oublié, peut-être par contre, à la limite, soir, là. Si tu veux, t'en mets un à côté de ça, là. Juste alors, attendez, comment on relie? Il y a un appareil, normalement, où on clique et puis ça... Oh oui, c'est... Tu t'appuies sur deux, là. Ligne électrique, tout à fait. Attends, heureusement que vous êtes là pour me rappeler, parce que moi, j'avoue que j'ai un peu oublié. Voilà, ici. Je veux pas. Alors, poser tout seul, mais sauf ouais, que enlevez ça et mettez un poteau électrique devant et on relie ça au poteau électrique et on relie le poteau électrique tout le reste. Attends, je peux le relier presque au. Vas-y, je peux relier directement. Je peux relier directement si je veux. Ouais, mais relie pas directement. Mais alors, on va faire un truc. Pourquoi tu veux pas qu'on relie directement? Parce qu'en fait, on peut pas relier plus de un fil à chaque truc là. Donc, ah en fait, oui, il faut des multi, et... il faut des poteaux multi, ouais. Donc tu mets un poteau juste devant. Ouais. Genre là, ici. Exact. En plus, il faut répartir la charge. En sachant que sur un poteau, non, tu ici, peux connecter 4 câbles. Là, voilà, parfait, là. En sachant que sur un poteau, ici, tu peux connecter 4 câbles. Ouais, n'importe. Enfin, là où je suis. Parce qu'on va en mettre plusieurs. Tu vas me demander combien on peut brancher de trucs. Oui, c'est vrai. Dans ce cas, il faut faire pareil pour l'autre. Ouais. Et donc, du coup, il faut enlever ça. Je décale un peu, justement, pour que l'autre, tu le décales aussi de la même manière. Tu vois. Ouais. Et là, là-haut, maintenant, je relie. Mais non, tac. Même pas besoin. Voilà, c'est alimenté. On peut relier directement comme ça.
2 sur 4, effectivement, il y a deux fils reliés. Donc en fait, on pourrait relier 3 voilà. appareils. Oui, mais attention, voilà. parce que oui, mais il y a non, un problème. Non, on peut relier 4 et 3 oui, mais... appareils. Et surtout t'as chargé le même. Oui. Bah, c'est le même qui va prendre. C'est l'importance, ça, je crois. Non, mais regarde. Hop là, voilà. Ah. Ouais, mais du coup, ça va. C'est pas dit qu'on a assez d'énergie pour aller monter les 12. Non, mais à la limite, à la fin, en fait, on va mettre un deuxième poteau. On va relier ce poteau à un autre. Et, ok. Et puis on va le relier celui-là à celui-là. Et donc du coup on va faire tout dans le même réseau. Ouais, mais là c'est pareil, du coup on a intérêt à plus relier plus ce poteau-là en fait. Oui, non, on en met un autre après. On en met un autre. D'ailleurs, il faudrait déjà qu'on le fasse en fait, il faudrait qu'on fasse ça déjà en fait. Oui, tu relis le poteau à un autre et ah non, on est déjà baisé, il y a déjà 4 connexions, on est déjà baisé. Non, mais non, enlevez ces connexions-là. Ça, y a pas besoin. Vous mettez un poteau, parce que j'ai pas assez de ressources, tu mets un poteau là où je suis là à peu près. C'est quoi que tu veux? Un poteau? Ouais, un poteau là, ouais. Poteau là! Et on relie ça à ça, et on relie les deux poteaux. Alors ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, on relie les deux poteaux, d'accord. Ce que tu veux dire. Par contre, dans ce cas-là, l'autre, il faudrait plutôt le relier en fait au deuxième. Ouais, mais par contre, la foreuse de là-bas, il faut la mettre sur ce poteau. Celui-là, on le relie au deuxième, on le relie au... Les deux là, on les relie. Comme ça. Ouais. Et du coup, la foreuse de loin, là, on la relie sur le nouveau poteau. Ouais, c'est ce que j'aurais fait aussi, parce que sinon ça va faire bizarre. Oui, bah, bon, c'est un détail, ça, mais... C'est la même chose, c'est pas grave. Dans oui, c'est la même chose, c'est juste que... Ouais, coup, mais ça... comme ça, ils ont tous les deux 3 connexions et que potentiellement, on peut en remettre oui, une. Exactement. Bon, alors du coup, on peut relier ça. Oui, voilà, mais dans tous les cas, à la fin, on aura je sais pas combien de poteaux ici, et on va mettre je sais pas combien de connexions à chaque poteau. Non, parce qu'après, il y a des poteaux avec 6, je me rappelle, avec 6 connexions. C'est ça, ça fort, là. Ça forture, là. Si vous voyez, dans le trou, là, ça... Fordure comme la map qui est en retard. Donc tu regardes à l'intérieur. C'est pas le fordure aussi. Ouais, c'est le fordure, ouais. Du coup, t'as 92 minerais de cuivre. Ah, bah oui, du coup, parce qu'on n'a pas de convoyeur encore pour l'utiliser. Ouais, et bah oui, oui. Et en fait, faudra un truc qui range en fait un container et tu mets des convoyeurs qui vont vers le container. Alors, il me semble que les convoyeurs, il y a Rick qui est très fan des convoyeurs, il kiffe ça les convoyeurs. Oui. Donc ce sera nos spécialistes en chef, convoyeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Attention que ce soit tout bien droit, bien carré. Wawil va nous gérer les fils. Putain, j'ai fusionné deux mots, t'as vu? Wawil et fil. Wawil. Et Farah, lui, il va... Qu'est-ce qu'il va faire, Farah? Tiens, il va se battre avec les grappes de raisin. Moi, je peux gérer l'électricité, si vous voulez. Je peux gérer ça. Parce que du coup, on a des minerais. Hein. Ils sont où, les fours? Faut qu'on fabrique un four, aussi. Non? Eh mais pourquoi vous mettez des feuilles? Quelles feuilles? Mais on t'inquiète pas, je m'en occupe, je m'occupe de ça, laisse-moi faire ça. On a un constructeur ou une fonderie? J'ai une fonderie peut-être avant. Bah vas-y, mets les biomasses alors, je... Je pose une fonderie. Est-ce que je pose une fonderie? Non mais faut la poser dans l'alignement de ton truc aussi. Ah bah bien sûr, c'est ce que je compte faire. Je vais faire mes biomasses. Par contre, il y a aussi des choses, en tout cas que j'avais joué avec Kaya, où en fait... Il y avait des objets en fait où il fallait pas fondre. Pour l'instant le cuivre et le fer faut fondre. Ouais. Mais il y a un moment, mais pas collé en fait, mets des convoyeurs entre deux. Parce qu'il y a un moment où tu veux faire un répartisseur. Oui, il faut qu'il y ait une dérivation entre les deux effectivement. Voilà. Donc pour l'instant, mais pas trop collé, mais pour l'instant tu peux bien faire voilà. J'ai laissé un peu de marge, normalement ça devrait suffire pour séparer si on a envie de séparer. Ouais. Voilà. Ensuite il va falloir convoyer. Pour convoyer, je vais cliquer ici, voilà. Je me rappelle, c'est le jeu me revient. C'est ça convoie, ça va fondre. Ça va fondre. Mais par contre on va vous peut-être passer... Vous avez vu quand même qu'on est contraint de faire les 3-8 dans ce jeu. Pourquoi? Bah parce qu'on va être 6 avec TVH et qu'il n'y a que 2 lits. Ah, s'il y a une équipe qui dort, c'est bon, t'as posé un autre. On s'arrangera, ouais. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dormir aux toilettes? Oh, t'es vraiment fatigué, tu sais. J'aurais quelqu'un qui est en train de jouer à un jeu ici, là, Rick. Ah ouais. Il joue. Oh, je suis plus en vise. Attends, il discute instant message avec. C'est qui? C'est SS. Comment on relie? Parce vous avez pas compris, je suis le superviseur. On a un problème. Tu peux Avec l'HTML, c'est plus important. Pourquoi ça marche pas là? Pourquoi j'arrive plus à relier il y a 4 fils? Parce que je crois que t'as tout relié déjà. Tu peux pas relier un truc là-haut.
Ah non, alors, qu'est-ce que tu veux faire, Gadu? En fait, ce que j'aimerais bien, c'est que le premier fil là qu'on n'a pas changé, là, est-ce que tu peux me péter le fil, là, s'il te plaît? Tiens, pète-moi le fil qui est déjà présent. Tu veux que je te pète le fil, là, voilà, pète-moi le fil, là, Yuka. Toi qui aime bien péter les fils, là. Le fil qui relie à la foreuse. Bon, voilà, merci. Ouais. Ah, c'est ça que je voulais faire. Voilà, parce que sinon, après, on n'a plus de fil, tu vois, pour relier les. Je pense que c'est pareil, il va falloir acheter des poteaux, faire une petite manip pour ça, parce que là c'est juste un point. Oui, mais tu peux mettre des poteaux en fait directement quand tu voilà. mets des fils. Ça y est, ça va fondre, ça y est. Et après on fait quoi après avec le... Alors après en fait il faut que tu mettes des containers. Et en fait tu fais des convoyeurs jusqu'au container et comme ça les range tout seul. Alors le container. Un conteneur, qu'est-ce qu'on a comme conteneur? On a un conteneur, effectivement, on a un conteneur. Heureusement que j'ai assez de ressources, hein, mais c'est vrai que le pack qu'il nous donne au début est un peu abusé quand même. Un conteneur, faut attention, t'as une entrée de sortie. Hein. Oui, je sais, oui. Bien sûr. Je fais toujours attention. Ah, c'est bon, t'es déjà en train de le poser, vas-y, pose-le alors du coup. Non, mais j'attends pour savoir où tu vas le poser, comme ça moi je pose celui l'autre au-dessus. Bah, on peut le poser juste après celui-là, parce que ça n'a pas d'importance d'avoir des. Bah, il y aura peut-être aussi un répartiteur ici, bon, mais pose-le là. Mais ouais, là, il c'est bien. Enfin, ouais, non, attends. Ouais, il va être dans le vide, ça, le truc. Non, il va y avoir un problème. Mets-le là où je suis. Ah, je vois pas où t'es. Est-ce que là, c'est bien? Regarde où je suis. Ah, tu vas le mettre sur le côté, toi, carrément? Ouais, parce qu'en fait, ici, on va mettre je sais pas combien de poteaux électriques avec des fils. Ça va gêner. Mets-le ici, et tu... Non, ouais. Attends, je t'inquiète pas, je m'en occupe. Oh là là. Alors, c'est vrai qu'on a oublié qu'il y en était avec Huawei, qui est encore plus maniaque que moi. On laisse Huawei gérer les conteneurs et les convoyeurs et tout ça, parce que sinon on n'est pas rendu. Hein. Non mais non, je te montre en fait, regarde. Voilà. Moi je pensais plus comme ça. Ah mais ça m'est égal. Non mais c'est très bien Huawei, hein, je t'assure. Voilà. Moi tout me va très bien. Hein. Ici bon, c'est bien. Tu l'as mis devant un arbre, c'est magnifique. T'es le tout de bonté. On s'en fout dans tous les cas. Comment ça on s'en fout, c'est devant un arbre? Mais alors, ça va pas changer quelque chose? Bah voilà. Si ouais, ça passe à côté de l'arbre, on a de la chance. Bah ouais. J'ai tout calculé. Parce que j'ai bien géré, voilà pourquoi. Ouais. Bon, et du coup ça faut le faire fonctionner, hein, parce que s'il fonctionne pas, ça sert à rien. Comment ça faut le faire fonctionner? Faut l'alimenter? Parce qu'en fait faut que tu mettes le plan. Si tu mets pas en production, ça va servir à rien. Ah oui c'est vrai, bien sûr, oui. Et que tu l'allumes aussi. Ça me revient. C'est vrai que les vieux, ça fait longtemps que j'avais pas... Il faut aussi allumer... Ah, c'est bizarre, Alors, tu l'as pas relié, celui-là, si tu l'as relié. Pourquoi ça marche pas? Bah parce que déjà, on a plus assez d'énergie, c'est tout. Vous avez mis quoi à fondre dans le brûleur de biomasse? Si, il y a bien assez d'énergie. Est-ce où les bactéries de la youte? Sinon, c'est prêt, en fait. Ouais. Il est où, là, ton digesteur et tout, là, ton truc, là? Là, pas digesteur, ici, hein. Y a que Kaya, c'est ça? Non, là, juste, on brûle de la biomasse. C'est pas la même chose hein, que je faisais moi. Ok, j'en ai mis, ça marche. Ça convoie, ça marche. Là-dedans, on a plein de fer et là-dedans, on a plein de cuivre, j'imagine là-bas. Je vais vérifier, mais bon, ça. C'est un bon début, hein. C'est vrai que le jeu, mais en même temps, c'est. Là, y a rien dedans, vous l'avez vidé ou pas? Ah, c'est bon, ça arrive, ok. Qui ça? Là, le convoyeur. Parce que je vois le convoyeur. Alors, ça marche pas, ça rentre pas dedans. Ouais, mais parce que c'est du cuivre, putain. Je sais pas comment ça se fait que ça disparaît au fur et à mesure là. Ah, t'as choisi que c'était du. Bah oui, c'est pas du fer. J'ai choisi le mauvais truc, mais voilà. Y'a un problème là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, moi je vois les lingots qui s'arrêtent avant. Qui disparaissent avant le conteneur. Est-ce que vous avez mis un. Ils rentrent dans le conteneur. Ah ouais? Quelque chose pour stocker la production. Comment ça disparaît avant le conteneur? Qu'est-ce qui disparaît? Ouais, c'est le conteneur. Hein? J'ai rien qui disparaît, moi, c'est quoi cette histoire là? Ah là, moi je les vois. Mais si, là ça disparaît, là où je suis. Ouais, bah moi je les vois bugger, je les vois s'arrêter. Tu vois pas, oui, moi aussi je les vois s'arrêter. Alors, attendez, moi je les vois s'arrêter aussi, et je vois que la fin aussi elle disparaît brutalement. Mais voilà, là c'est arrêté là pour moi. Par moi je vois que c'est ici que ça s'arrête. Enfin, ouais, ici que ça disparaît quoi. Encore un bug là, de je sais pas quoi de serveur, ça pourrait être changé. Bon, en tout cas, le conteneur se remplit bien. Hein. Vérifiez, il se remplit bien. Ah, tout est vite, tiens, ça y est là. Bon, tant que ça marche, écoute. Ouais, c'est juste que visuellement, en fait, c'est pas top. Ouais. En tout cas, ça mine bien déjà. Normalement, une mine est inépuisable d'ailleurs, au passage. Pareil, ouais. Ouais, ah oui, ici aussi. Non, ça s'épuise pas, t'inquiète, c'est bien. Ça, c'est cool. Donc, nickel. Bien, on aura d'autres mines évidemment pour les viewers. Hein. Dites-vous que ce n'est que le début. On va exploiter cette planète jusqu'au trognon.
Et une fois qu'on l'aura pollué et vidé de ses ressources, on se cassera. Exactement. Exactement. Mais c'est ce qu'on fait actuellement sur Terre, ça marche très bien. Enfin, ça marche très bien, vous m'avez compris. Ça hein. marche très bien jusqu'à ce que... Ouais, ça marche génial, ouais. Pour les quelques années, éventuellement alors, décennies... On va tenter un truc, Gadu, au cas où. Oui, la question. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut m'électrocuter. Non, viens, suis-moi. Qu'est-ce qu'il veut tenter, là? Qu'est-ce qu'il... Juste, ah, oui. je voudrais oui. savoir si tu vas voir l'easter egg. Ouais. Alors, dans les toilettes, donc, et là, tu regardes l'affiche. Sur B. Non, eh, vous allez m'enfermer, je vais rester comme un con, c'est ça. Mais non, mais non. Okay. Regarde la fiche. Et dis-nous ce que t'en penses. Alors. Est-ce que ça te parle? World Sieve. Join us the tweet. Alors, lis bien déjà parce que c'est pas World. Frontier. Où ça, Frontier? Non, mais en haut là. Ah oui, là no où, expanding to Fortuna 3. Oui, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque Fortuna chose. Fortuna 3. Je crois qu'on a déjà fait un test découverte là-dessus. Le logo d'entreprise. Ouais. Alors, je t'avoue que le logo d'entreprise, j'aurais pas reconnu. Ah ouais, t'aurais pas reconnu. Corolev ? Non. Ça te dit rien ? Ah bah moi, dès que Rick m'a dit, regarde le logo, et... ah tout de suite, ah bah oui. Fortuna 3, c'est Fortuna 3 en fait, je le voyais dans le coin de mon écran. Ouais, c'est pendant que j'attendais. C'est Corne en fait. Oui, et puis je me suis dit, ah, Fortuna 3, je connais, ils ont repris le même nom que. Dans un autre jeu. C'est pas un hasard. Donc pour les vieux, hein, vous irez voir mon let's play sur. Enfin, mon let's play. Mon test. Comment c'est que j'ai une petite lumière de merde alors que l'autre il éclaire comme un. Alors, c'est quel jeu? Bah, c'est The Cycle. Très bien. C'est pas le bouton pour la lumière? Oui, pourquoi moi j'éclaire comme une merde? Il y a quelqu'un qui éclaire, mais c'est magnifique. C'est toi qui éclaire. Tout est écrit bah, sur le. Moi j'éclaire un petit rond jaune, quoi. Il y a une seconde, il y a quelqu'un qui éclairait, mais un truc énorme, quoi. Comment ça se fait? Non, c'est parce que c'est vous deux en même temps. Ah, c'est B. Ah, c'est parce que non, et en fait, il suffit de s'éloigner, regarde. Quand tu t'éloignes comme ça, en fait, ça éclaire très bien. C'est ce que je me disais. Bon, voilà, bref. C'est B. Merci, Eric. Donc. Ah, merci, Farah, aussi, de faire des putain, établis. Putain, tu fais un établi qui te fait piquer ici, c'est un truc de malade. Pourquoi t'as fait un établi qui est plus petit, d'ailleurs, celui-là ici? Parce que. On est tous sur un, sinon, et comme il n'y a qu'une seule personne qui peut aller dedans à la fois, il faut en faire plusieurs. D'accord. Tu fabriques quoi? Parce que histoire que je comprenne aussi, on commence à construire des choses ou vous voulez. En fait, le but aussi, Gadu, viens voir. Vois cet ordinateur là? Ah oui, c'est vrai qu'il faut il faut faire les étapes, ouais. Voilà, donc ça faut essayer de construire. Construction de base et tout, choisir les jalons. Selon ce qui nous. Juste une seconde. Quel jalon tu parles? Parce que là il y avait des étapes truc, à faire. Faut que t'ailles derrière toi. Donc faut qu'on passe les paliers effectivement. Pour passer les paliers. Alors faut tu vois construction de base, logistique, études de terrain. On choisit un pour commencer. Et puis on peut voilà, on peut le faire. Par exemple, logistique. Déjà rendu à ça. Voilà. Putain la vache. Par contre logistique 2 là ça demande 200. Oui, c'est pas non plus indécent. C'est juste qu'on n'a pas de mine de calcaire en fait. Il nous faut une mine de calcaire. Il y en a une pas très loin, derrière ouais. le tout petit... Bah c'est ça, j'ai commencé par faire ça en fait, pour être tranquille, parce que sinon... Ouais. Alors, attendez, on a dit calcaire, boum. Alors je vais faire des câbles et tout, parce que voilà. Je vais m'occuper des fils électriques. Alors, on en a deux, 240 mètres... Ouais, je vous laisse faire. 237 mètres. Je vais chercher la mine de calcaire. Ouais. Vas-y, c'est tu veux un coup de main? Ouais, je serais pas de refus, ouais, parce qu'il y a un petit peu de route là quand même... T'es où là, bah, okay. Je suis parti sur celle qui est à 100 mètres pour moi. Bah, là, ah, il y en avait une à 260 mètres, mais ouais, c'est pas grave. C'est... Bah non, alors j'ai comparé, hein. Les deux sont kiff-kiff, hein. là où j'étais en tout cas. Par contre, là il faut traverser l'eau et tout, quoi. C'est ça qui est pas... Attends, parce que là il y a un espèce de truc... Sphère de Mercer. C'est là, hein, c'est ce qu'il y a devant moi, là. Ouais, c'est ce qu'il y a devant moi. Je sais pas, okay. Pour moi ça fait plus. Je l'ai trouvé la mine de calcaire. Par contre, elle est pure, elle est pas impure, ça c'est bien. Si je dis pas de conneries, normalement. Mais dans tous les cas, c'est le même truc qui va te donner. Ah bon? Il n'y en a pas une qui donne moins que l'autre? Non. Enfin, moi, je sais pas. Enfin, je sais pas la quantité, mais dans tous les cas, c'est au milieu que ça va la poser. Alors, c'est toujours pareil. Qui est à la base actuellement? Farah, t'es à la base? Attends, Gadu, avant de la poser. Ouais. Avant de la poser, regarde. C'est quoi ce bruit là que j'entends? Bah, je suis en train de miner le truc par-dessus. C'est toujours ça de gagner, hein. D'accord. Et après, donc tu voudrais que je vise par là-bas? Bon, en fait, il va falloir. Voilà. C'est bon là?
du coup. Ouais, parce que sinon ça disparaît. Ouais, c'est bon, tu peux. Alors, je vise, il faut que je vise Rick et. Rick. Rick et Wawi. Attends, parce qu'il y a aussi un chemin à faire. Il y a un petit chemin à faire, parce que du coup, on peut passer par-dessus les montagnes. Donc, Ouais, bah, là, vise à droite du. Ouais. Comme ça, ou tu veux que je mette comme ça, Non, non, non. Comme avant. Comme ça. Un poil à gauche. Ouais, je crois, là, c'est good. Ok, je pose. C'est parti. Vas-y. Ouais. Boum. Voilà. Alors, il faut l'alimenter en courant électrique et en convoyeur. Le problème, c'est je vais m'en occuper, ça. Je m'occupe du courant électrique. Convoyeur, okay. Vous vous en occupez, moi, ça je m'occupe pas. Alors, le convoyeur, du coup, il va falloir aussi poser, c'est une caisse, là, il fait un conteneur. Faut mettre des pylônes, c'est ça? Alors, il y a les pylônes avec. Alors, ceci dit, les pylônes doivent se poser tout seul, en fait, Rick. Mais pareil. Moi, c'est Youth, mais c'est pas grave. Excuse-moi. quand tu choisis, en fait, il te propose de poser les. Tu vois, les. Ah, ouais. Par rapport. Alors, par contre, tu peux pas faire trop long. C'est pour ça qu'il faut que tu te poses une fois au bord de l'eau, j'imagine, ou ça passe juste derrière, vas-y. Hein. Mais tu vois, t'es limité avec ça. Et essaie d'aller plus droit, évidemment, parce que ça consomme, hein. C'est pas juste magique, hein, c'est pas. Alors, je vais avoir besoin d'un petit. Alors, peu dans ce cas-là, comment on fait pour monter un petit peu? Ah, ça monte tout seul en fait. Basculer. Automatiquement. Non, mais pour qu'il soit plus haut en fait. Ah, je crois pas que tu puisses faire ça. T'es obligé de faire un U en fait si tu veux passer sur une montagne. Tu peux pas faire un trait droit, ouais. Dans tous les cas, ça va monter. Vous mettez le pylône au-dessus, enfin, vous mettez votre truc au-dessus et puis. Je me souviens que je le faisais. Bah pour moi en fait tu poses un pylône tu vois en hauteur comme ça et tu viens le relier. Non, pose pas de pylône, laisse ça le faire tout seul. Non mais t'inquiète pas, occupe-toi de ton courant, ouais, oui on va s'occuper des convoyeurs comme t'as dit. Voilà. mets plutôt un convoyeur au bord de l'eau, Yut, si tu veux faire bien, et après tu vois moi je récupère ici. Ouais. Mais est-ce que c'est intéressant de le faire monter en fait? Pourquoi on fait pas le tour? Parce que c'est plus droit, t'as dit ça consommait. Parce que les ressources en vrai c'est pareil. C'est des plaques de métal que ça consomme, c'est rien, allez. Par contre, là t'es dans un arbre. C'est juste que c'est pas beau visuellement, c'est tout, mais. Ouais, c'est pas. Et tu vois, après t'es censé déjà relier à ce truc là, mais sauf que je vais pas le poser, puisque normalement ça le pose automatiquement. Toi tu passes par-dessus la montagne, automatiquement il devrait le poser. Ah bah voilà. Mais par contre, tu vois. Enfin, si, peut-être que là il faut le poser quand même. Je le pose en haut. Hein. Ouais, voilà. Non, mais vas-y. Non, faut que tu reprennes directement depuis en bas. Oui, mais si je fais ça, en fait, tu pourras le poser dessus. Ouais, non, ah oui, d'accord. Ouais, parce que tu pourras pas le poser. Je suis plaque en métal. Voilà, je viens de le construire. Là, et moi, je te le fais maintenant. Boum, ah. Vas-y. Boum, voilà. C'est limite, hein, ça passe. Ouais, j'ai cru que tu le mettais dans l'autre sens, tu sais. C'est. Ah, ces trucs-là, ils ont pas de sens. Hein, c'est... Enfin, si, ils ont un sens, mais je veux dire, automatiquement, c'est. Donc là, c'est à droite, tu vois, on va pas aller sur le truc, quoi. Enfin, sur le caillou. Ah, là, c'est trop loin. Ah, c'est trop loin. Okay. Je suis droit là? Ouais. Ouais. Ah ouais, là t'es plus que droit là, ouais. Putain. C'est dire quoi ça? C'est bah parce que la justice c'est pas si droite. D'accord. Boum. Je passe. Le suivant, je parlais pas du système judiciaire français, mais. Oh. Alors là je peux plus après, tu vois, je peux poser que là. Ouais bah ouais parce que t'as plus de compo, hein. Voilà, et après il faut que je. Ah, j'ai plus assez. Ouais, t'as plus de compo, ouais, c'est pour ça. Je peux rien faire. Alors, on va commencer par. Il faut poser. Qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on va. Ouais, où est-ce qu'on va y amener ici? On va y amener d'un fabriquer ou pas un conteneur, moi. Ouais, conteneur, yes. Enfin. Non, parce qu'il va me manquer 10 plaques de fer. Donc je peux plus en fabriquer plus. Du coup, on s'arrête au bord. Non, mais attends, du fer. Faut qu'on pose une fonderie. Ça c'est du cuivre, il arrive. Non, mais on va en avoir du fer. Ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse ici peut-être le temps que, bah voilà, maintenant que vous avez compris à peu près les viewers, hein, vous irez voir le premier display avec Kaya, pour ceux qui veulent avoir plus d'explications, mieux comprendre ce qui se passe. Bon, vous avez vu, c'est pas super compliqué, et puis de toute façon l'objectif, encore une fois, c'est de construire justement des trucs automatiques qui nous permettent de ramasser, de fabriquer, parce qu'on peut aussi poser des engins qui fusionnent des objets, enfin qui craftent à notre place, et à la fin avoir des nouveaux matériaux, comme par exemple des plaques de fer, qui sont peut-être, je dis une connerie, hein, peut-être à base de fer et un de cuivre par exemple, je sais pas. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc après on les fusionne, on met une machine qui fusionne les deux, et paf, ça nous ressort un élément crafté. On choisit, pareil, comme vous l'avez vu dans la fonderie, on choisit quel élément on veut fondre, ou quel élément on veut crafter en l'occurrence, et ça nous le fait, et ça ressort sur un convoyeur aussi. Ça qui est génial. Bref, du coup on va se laisser ici, et puis on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Allez, bye bye.